Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer rapidement les deux coffres du jour. Donc, comme d'habitude, il y en a un sur Terre et il y en a un en mer. Donc voilà, on va commencer par le premier, c'est-à-dire le coffre sur Terre. Donc, comme d'habitude, il est extrêmement facile parce qu'il est sur Terre. Et comme d'habitude, celui qui est en mer est plus compliqué. Donc comme d'habitude, vous avez remarqué, j'ai du mal à me poser en parachute, c'est normal. Je ne suis pas très bon en parachute. Quoi qu'il en soit, voilà l'endroit où se trouve ce coffre. Voilà, il est ici. Merci, au revoir. Non, je plaisante. Voilà la carte. Comme d'habitude, le petit zoom et le dézoom pour voir où se situe le coffre. Donc voilà, plusieurs zooms et des zooms, histoire d'avoir une bonne visibilité. Un petit regard autour pour bien montrer la position sur le terrain. Et ensuite flèche de droite pour ouvrir et prendre le contenu. Donc 15 000 par coffre, ça fait 30 000 par jour. Voilà, pour certains, ça peut faire plaisir. Avec un bonus à la fin, quand on en a fait pas mal. Donc voilà, pour le deuxième, le coffre qui est en mer, forcément beaucoup plus compliqué à trouver parce qu'il est en mer et donc beaucoup plus délicat. Donc voilà, comme d'habitude, des petits zooms et des zooms, histoire de bien voir la position. Ensuite, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous avez des screens en images fixes pour bien repérer les zones où on peut trouver les coffres. Voilà, le plan. Donc on nage un petit peu, on voit qu'il y a 2-3 coraux et on a un moment la petite flèche de gauche, de droite qui s'affiche et on appuie pour prendre le coffre. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner. Quoi qu'il en soit, merci à vous et bon game. Allez, salut!